Salut à tous, c'est avec le coach Galago Music. Aujourd'hui pour vous, comment apprendre à jouer au piano le morceau Bohemian Rhapsody du groupe britannique Queen, un titre écrit par Freddie Mercury qui est d'abord sorti en single et qui est extrait de l'album A Night at the Opera sorti en 1975. Et je vous sors ce tuto qui est pile poil dans l'actu puisqu'il y a un biopic de Bryan Singer qui vient juste de sortir et qui retrace la vie du groupe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà toute l'intro avant que ça commence à chanter et dans un deuxième tuto, je vous montrerai tout ce qui est couplet-refrain. Je suis pas persuadé de vous faire le morceau en entier sinon ça risque de prendre je ne sais pas ma 8 tutos. Donc commencez déjà par celui-là et vous me direz si ça vaut le coup que je me lance dans cette odyssée incroyable. Allez tous à vos claviers, c'est parti! Alors pour pouvoir vous repérer, j'ai dessiné un petit point orange ici. Hein, ça vous permet de repérer le do du milieu. Alors dans la première mesure, à la main droite, on va se placer sur Fa, Sol, Si bémol, d'accord? Et à la main gauche, sur un Ré, donc juste à côté du do du milieu. Vous appuyez sur la pédale et vous faites ceci. Ouais. Is this the real life? Ok. Ensuite, à la main droite, on décale le pouce sur le mi bémol, d'accord? Et à la main gauche, on va se placer sur le do du milieu. Et on va faire ceci, alors pas vite. Alors, donc j'ai fait deux fois do, mi, sol, si bémol. À la troisième fois, mon pouce de main droite va sur le fa et mon pouce de main gauche va sur le ré. D'accord? Donc, is this just... Ensuite, on revient là où on était et on termine la phrase par ré, do, tout seul. Deuxième mesure, avec la pédale. Is this just fantasy? Voilà. À la troisième mesure, la main droite va sur mi bémol, fa, la. Et la main gauche rejoue son do. Donc j'appuie la pédale et ça va donner 1, 2, 3, 4. Alors à la main droite, j'ai fait 3 fois mi bémol, fa, la. 1, 2, 3. À la quatrième fois, je fais mi bémol, fa, si bémol. Et je reviens sur mi bémol, fa, la. À la main gauche, c'est toujours do. 1, 2, 3, long, long. Et à la fin de ce long, on rajoutera fa, fa à la main gauche. C'est une mesure bizarre à 5 temps. Et à la quatrième mesure, ré, fa, si bémol à la main gauche et si bémol à la main gauche. 1, 2, 3, 1, do, si bémol. Donc j'ai tapé deux fois ré, fa, si bémol. La troisième fois, la main droite fait mi bémol, sol, si bémol. Après, je reviens sur Ré, Fa, Si bémol et je termine tranquillos par Do, Si bémol. Bon, il s'agit d'une adaptation, hein, c'est pas exactement à la voix près, mais ça permet quand même de bien reconnaître le morceau. Je vous rejoue les 4 premières mesures. 3, 4, 1. Et 2, et 3, et 4. J'enlève la pédale, deuxième mesure. 1. Troisième mesure. Ensuite, on va descendre la main droite jusqu'à Fa, Si bémol, Ré, donc un Si bémol majeur renversé. Et à la main gauche, on va jouer Sol. Donc c'est là que ça fait Open your eyes. À la main droite, on va taper cet accord-là 4 fois de suite. Open your eyes. Ok. Donc Sol à la main gauche. Vous pouvez le laisser enfoncer 4 temps. Open your eyes. D'accord. Si vous êtes chaud patate, une fois que vous avez fait ce 1, 2, 3, 4, la main gauche peut répondre Ré, Sol. Hein, à la cave, ça fait bien joli. Fin de cette mesure 5, la main droite rejoue le Ré. Et à la mesure 6, on va se diriger vers Fa, La bémol, Ré. D'accord. Et à la main gauche, Si bémol. Ou Si bémol en octave. Histoire de filer un peu plus, pareil, d'énergie. Et on va faire. Donc premier temps, mesure 6, je suis sur un Si bémol 7 à présent. Je rejoue le Ré, Mi bémol, Fa. Si bémol tout seul, d'accord. Et ensuite, on ira chercher mi bémol et sol bémol à la main droite, avec en même temps mi bémol à la main gauche. Ouais. Dès que vous êtes rendu là, la main droite va faire la petite phrase trop stylée. Mi bémol, sol, si bémol. C'est beau, hein. Donc main droite, mi bémol, sol, si. Ensuite, je plaque mi bémol, la bémol, do. Tac, mi bémol au-dessus. Puis mi bémol, sol, si bémol, et re, mi bémol au-dessus. Pendant le... La main gauche va faire mi bémol, do, puis mi bémol, si bémol, genre... Yes. Je vous rejoue les mesures 5, 6, 7, et on a fait la moitié de cette première partie. Alors,
3, 4. Ensuite, mesure 8, on va faire si bémol, mi bémol, sol à la main droite avec do à la main gauche. Donc là, pareil, je vous ai fait une mesure assez light qui fait I'm just a poor boy. Ok, donc vous gardez juste le do de la main gauche enfoncé et vous plaquez la main droite en suivant la mélodie de la chanson. I'm just a poor boy. Ensuite, mesure 9, la main gauche va sur un fa et la main droite va sur la et fa au minimum. Sinon, vous pouvez remplir avec la, do, mi bémol, fa. Bon, je vous le fais en version light, ça va donner. La, fa, si bémol, sol, re, la, fa, et on termine par mi bémol, do. La main gauche, elle reste enfoncée sur fa. Si je le remplis avec l'accord à 4 sons, la, do, mi bémol, fa. J'irai chercher si bémol do mi bémol sol parce que c'est joli. Je reviens une fois sur le fa 7 et je terminerai pareil mi bémol do. Donc mesure 9. Ok. Dès que ça s'est joué, on fera. D'accord, tout ce passage là. Donc mesure 9 en entier avec juste les sixtes là, la fa. Mesure 10 et 11. Donc pour la main droite, mi bémol, sol, do bémol, soit un si. Je le plaque deux fois, et après je vais chercher ré, fa, si bémol. C'est le même accord, en gros, mais tout un demi-ton en dessous. Et on va faire la même chose, tout un demi-ton en dessous, donc do, dièse, mi, la. Et je reviens sur ré, fa, si bémol. Et c'est ça, la structure de ces deux mesures-là. Et je refais une deuxième fois pareil. D'accord. Et avec la main gauche qui fera... si, ou do bémol, mais bref. Si bémol, la, si bémol. Elle, pareil, elle suit au demi-ton. D'accord. Et les trois dernières mesures avant la fin de l'intro, on va repartir sur un mi bémol majeur, soit si bémol, mi bémol, sol, donc mi bémol majeur renversé, avec mi bémol à la main gauche. Vous allez faire ceci. Alors, j'ai fait quoi ? Mi bémol main gauche, je le tiens deux temps, pendant que je fais quatre croches là-haut sur le mi bémol majeur. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je fais si bémol fa à la main droite avec ré à la main gauche, soit un accord de si bémol basse ré, d'accord ? Et après, avoir fait ce si bémol fa, je fais si bémol fa, si bémol, d'accord ? Je rajoute le petit doigt. Donc. Ok, et sur la fin... Nothing really matters to me. Ré bémol à la main gauche avec ré bémol, fa bémol, soit mi et si bémol là-haut. Donc 1, 2, 3, 4. Dès que ça c'est fait, je vais faire do, mi bémol et je vais garder le si bémol là-haut avec do, main gauche. Do mi bémol fa la avec fa main gauche. Dès que j'ai tapé ça, je vais faire do fa la mi bémol to me. Nothing really matters to me. To me. Hey. Donc dès que j'ai fait la bémol, si bémol, je vais taper ré fa si bémol. De si bémol majeur avec si bémol à la main gauche. Je vous rajoute tout ça pas vite et je vous ajouterai juste les deux petites mesures bonus parce que c'est trop joli et on aura terminé pour ce premier tuto. 3, 4, 1. Is this the real life?
Donc là, les deux mesures. Donc je fais mon si bémol majeur, fa si bémol ré, si bémol main gauche. Je plaque l'accord, je rejoue pouce, index, annulaire. Et par-dessus, attention, grand saut de main gauche, je vais jouer sol sol, puis fa fa. Et je refais pareil une deuxième fois. Et dans la prochaine vidéo, qui sera peut-être la dernière, parce que franchement, ce morceau est extrêmement long, je vous montrerai comment on fait couplet-refrain, à savoir... etc. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, ce qui vous permet de recevoir une notification par mail qui vous indique que Galago Music a sorti une nouvelle vidéo. Et si mon taf vous a vraiment beaucoup plu, vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi faire un don. Ça se passe sur mon site, où j'ai mis de toute façon un petit lien dans la boîte de description YouTube. Enfin voilà, merci à tous, plein de bonnes choses à vous, et à très bientôt pour le prochain tuto. Ciao !